Libre. Le long voyage d'Henri. Une histoire vraie. Alan Levine, Kadir Nelson. Henri Brown ne connaît pas son âge exact. Henri est un esclave. Les esclaves n'ont pas le droit de connaître la date de leur naissance. Henri, ses frères et ses sœurs travaillent dans la grande maison où le maître habite. Ce maître est bon envers Henri et sa famille. Mais la mère d'Henri sait que tout cela peut changer. Tu vois les feuilles que le vent emporte? Elles sont séparées de l'arbre. Un jour, les enfants d'esclaves sont aussi séparés de leur famille. Un matin, le maître demande à voir Henri et sa maman. Ils montent par le grand escalier. Le maître est dans son lit. On ne voit que sa tête. Il est très malade. Il leur fait signe de s'approcher. Les maîtres libèrent parfois des esclaves. Le cœur d'Henri se met à battre très fort. Son maître va peut-être le libérer. Tu travailles très bien, Henri. Je te donne à mon fils. Tu dois lui obéir et tu ne dois jamais mentir. Henri fait oui de la tête, mais il ne dit pas merci, car il ne veut pas mentir. Plus tard dans la journée, Henri voit un oiseau qui plane très haut dans le ciel. « Tu as de la chance d'être libre, » pense-t-il. Henri dit adieu à sa famille. Il regarde les feuilles des arbres qui tourbillonnent, emportées par le vent. Henri travaille à présent dans l'usine de son nouveau maître. Il fait bien son travail. « Nabim, passe cette feuille de tabac !» crie le contremaître à un petit nouveau en lui donnant un coup de bâton. Pour une simple erreur, le contremaître peut vous battre. Henri se sent seul. Un jour en ville, il rencontre Nancy qui fait des courses pour son maître. Ils marchent en discutant. Ils décident de se revoir. Henri a envie de chanter, mais les esclaves n'oseraient pas chanter dans la rue. Alors, Henri se contente de fredonner en rentrant chez lui. Quelques mois plus tard, Henri demande à Nancy de l'épouser. Quand leur maître donne leur accord, ils peuvent se marier. Bientôt, ils ont un premier enfant, puis un autre, et encore un autre. Henri sait qu'ils ont de la chance. Ils habitent ensemble, même s'ils ont deux maîtres différents. Mais Nancy est inquiète. Son maître a perdu beaucoup d'argent. J'ai peur qu'il décide de vendre nos enfants, dit-elle. Henri ne sait pas quoi lui répondre. Henri travaille très fort tout l'avant-midi. Il essaie d'oublier ce que Nancy a dit. Son ami James vient le voir à l'usine. « Ta femme et tes enfants ont été vendus au marché, aux esclaves !» chuchote-t-il à l'oreille d'Henri. « Non !» crie Henri. Henri ne peut plus bouger. Il ne peut plus penser.
Il ne peut plus travailler. Roule ses feuilles de tabac. Le contremaître lui donne un coup de bâton. Henri obéit. Il a le cœur brisé. À midi, Henri court jusqu'au centre de la ville. Des esclaves sont attachés tous ensemble. Leur propriétaire crie. Henri cherche sa famille. « Papa, papa !» Henri regarde ses enfants disparaître au loin. « Où donc est Nancy ?» Il l'aperçoit en même temps qu'elle le voit. Il essuie ses larmes. Quand il rouvre les yeux, Nancy aussi a disparu. Henri ne chante plus. Il n'est même plus capable de fredonner. Il va travailler et le soir il mange, puis il va se coucher. Il essaie de penser aux jours heureux d'autrefois. Mais il revoit toujours les charrettes qui ont emmené les siens. Henri sait qu'il ne reverra plus jamais sa famille. Le temps passe. Un matin, Henri entend chanter un oiseau perché dans un arbre. L'oiseau s'envole dans le ciel. Henri se dit qu'il aimerait être libre. Mais comment faire? En soulevant une caisse en bois, il a une idée. Il demande à James et à Monsieur Smith de l'aider. Monsieur Smith est blanc et il est contre l'esclavage. Le lendemain, ils se retrouvent tous dans un entrepôt d'essarts. Henri est là avec une caisse vide. « Je vais m'expédier par la poste dans un endroit où il n'y a pas d'esclaves, » dit-il. James regarde la caisse, puis Henri. « Et si tu tousses et qu'on t'entende, je mettrai ma main devant ma bouche et croisera les doigts, » dit Henri. Pennsylvanie, fragile. Sur la caisse, M. Smith écrit « À William H. Johnson, rue Arch, Philadelphie, Pennsylvanie. » Henri va être livré à des amis de M. Smith à Philadelphie. En grosses lettres, et ce dernier ajoute « Oh, fragile. » Henri doit trouver une bonne raison de rester chez lui. Sinon, le contremaître va croire qu'il s'est enfui. James montre la blessure qu'Henri a au doigt. Mais Henri sait que ce n'est pas suffisant. Alors, il ouvre une bouteille de vitriol. Non, crie James. Henri en verse sur sa main. Sa peau est brûlée jusqu'à l'os. Maintenant, le contremaître sera bien obligé de se passer de lui. Monsieur Smith fait un bandage à Henri. Ils s'entendent pour se retrouver le lendemain à 4 h du matin. Le soleil ne s'est pas encore levé quand Henri s'installe dans la caisse. Prête, dit-il. James cloue le couvercle. Monsieur Smith et James se rendent jusqu'à la gare. Un cheminot fait basculer la caisse. Puis il cloue un papier sur le fond. Monsieur Smith demande au cheminot de faire attention. Mais ils ne l'écoutent pas. Ils lancent la caisse dans le fourgon. Les heures passent. Henri se sent à nouveau soulevé, puis redépossé avec brusquerie. Il a la tête en bas. Il entend de l'eau qui clapote. Il doit être à bord du bateau qui va à Washington. Le bateau vogue doucement et Henri a toujours la tête en bas. Le sang lui monte à la tête. Il est tout rouge. Il a mal aux yeux. Il se
dit que sa tête va éclater, mais il a peur de bouger. On pourrait l'entendre. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dit le premier passager. Du courrier, je suppose, dit l'autre. Oui, je suis du courrier, dit Henri. Mais pas celui auquel qu'il pense. Henri est débarqué du bateau à vapeur, puis chargé à bord d'un train, la tête en haut cette fois. Il s'endort, bercé par le roulement. On frappe sur sa caisse. Henri se réveille. Henri, est-ce que ça va là-dedans? Tout va bien, répond-il. Quelqu'un décloue le couvercle. Henri s'étire et se lève. Quatre hommes le regardent en souriant. Bienvenue à Philadelphie. Henri a enfin une date d'anniversaire. Le 30 mars 1849. Premier jour de sa vie d'homme libre. Et tout le monde se met à l'appeler Henri Box Brown. C'est-à-dire Henri Brown, surnommé La Caisse. La fin. Libre.